Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de novembre 2021. On va voir tout de suite quel sera le signe d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir en amour ce qui va se passer pour quel signe. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va regarder, donc on est vendredi pour le signe. Je vais en faire deux ou trois. Les Sagittaires, aujourd'hui c'est votre tour. On va voir en amour pour novembre. Donc votre tirage novembre est sorti. Vous pouvez aller le voir, hein, bien sûr. Regardez ce qui est prévu pour le mois de novembre complet. Et puis votre prévision qui est aussi importante, c'est celle de l'automne où c'est détaillé, très détaillé. Octobre, novembre, décembre, vous avez vraiment une complétude en novembre avec l'amour, si vous voulez déjà savoir, et décembre. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, c'est votre tirage. Vous pourrez regarder après ceci aussi votre tirage pour l'amour, surtout le lunaire, votre signe lunaire. Si vous le connaissez, vous pouvez le regarder pour compléter ce tirage. Et on va voir ce qui va se passer au niveau amoureux. On va commencer par une carte ici, centrale. Donc, bienvenue sur les guidances de Shiba. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec grand, grand plaisir. C'est simple, c'est gratuit. Vous cliquez la petite cloche aussi à droite. Qui est à côté d'abonnés en haut pour avoir toutes les vidéos qui sortent et ça nous soutient, ça me soutient ainsi que les personnes où vous vous abonnez. Alors on va commencer, je vais me concentrer pour les Sagittaires en novembre. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau de l'amour? Message général, je vais prendre, alors une, on va avoir une ou deux cartes. Les Sagittaires en novembre. Sagittaires en novembre. Vous en avez trois, ben, je les garde. Ok. Alors, on va voir déjà vos premiers messages de quoi on nous parle pour ce mois de novembre. Alors, on nous dit de patienter. Première chose, on nous dit de patienter parce que là, il y a les anges qui sont en train de préparer, d'agir dans l'invisible par rapport à quelque chose qui concerne votre vie sentimentale. La synchronisation divine est à l'œuvre. Donc, synchroniser, c'est préparer peut-être que deux âmes se rencontrent sur Terre, mais ça se fait dans le monde invisible. Cela vaut la peine d'attendre. Vous allez être très attractif durant ce mois. Vous allez plaire, on voit, vous êtes bien, vous attirez l'amour en vivant bien l'instant présent. Vous serez, je pense, bien dans votre peau. Et on nous dit qu'il ne faut plus avoir peur du passé, vous pouvez aimer sans crainte. Là, il y a Cupidon qui vous survole. Donc, c'est ce que je vous disais avant, hein, ça se prépare dans le monde invisible, il y a une rencontre qui se prépare. Peut-être dans le tirage du mois de novembre, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez regarder, je vous l'ai dit, dans l'automne, vous allez dans Playlist Automne. Là, aimez sans crainte, pas avoir peur, l'amour arrive, ouvrez votre cœur, parce que c'est possible ce mois-ci. C'est possible, vous avez trois beaux messages, vous êtes attractif, il y a des rencontres possibles. Et on va voir bah, les cartes suivantes ici pour les énergies. Ensuite, je ferai un tirage de tarot avec le Lion of Love et puis le petit oracle de l'amour. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Waouh, c'est joli. Donner et recevoir de l'amour. Vous avez tout pour rencontrer quelqu'un. Et je crois que ça se prépare dans le monde invisible. Alors, ici, Sagittaire en amour. Sagittaire en amour pour novembre. Novembre pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Novembre pour les Sagittaires. N'hésitez pas aussi de liker, de partager, de commenter, de savoir comment ça résonne pour vous. C'est important. C'est très important, oui. Sagittaire en novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les énergies dans ce petit oracle? Alors, il y a eu une rupture pour moi. Il y a eu une rupture dans le passé. C'est un peu ce que je ressentais, hein. J'avais l'impression de voir un renouveau ici. Cela vaut la peine d'attendre. C'est toujours ça, hein. Courez pas tout de suite après une nouvelle personne, après une rupture. Donc là, il y a peut-être maintenant où il y aura une rupture pour certains en début de mois, où ça se fait maintenant. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une déception, il y a quelque chose qui se termine quand même. Mais après, on voit qu'il y a un renouveau, vous sentez mieux dans votre peau, on nous dit de patienter un petit peu, il y a quelque chose d'autre qui se prépare de mieux pour vous. Voilà.
Donc certains vont le vivre ou le vivent déjà ou sont en train de se dire je reste ou pas et puis si finalement ça va se faire. Et on va voir ce que nous disent les messages angéliques pour vous, aussi au niveau des énergies. Pour les Sagittaires, pour l'amour en novembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme message? Sagittaire en amour, novembre 2021. Sagittaire en amour, novembre 2021. Il n'y a pas de carte qui saute. Pour soi-même. On va aller de ce côté. Ouf. Alors, demandez de l'aide aux autres. Demandez conseil aux autres. Peut-être si vous êtes dans le doute ici. Voilà, comme je vous disais avant, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais? Demandez de l'aide à vos amis. C'est ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à vous faire conseiller ou par rapport à une nouvelle rencontre. On va voir plus en détail. Je vais commencer tout de suite avec le tarot pour voir justement où vous en êtes. Et surtout, je vais demander pour le mois de novembre, hein, ce qui va plutôt être principal. Est-ce que c'est cette notion de nouvelle rencontre ou cette fin ou les deux, hein, on finit. J'ai l'impression quelque chose qui ne vous convient pas parce qu'on se prépare dans le monde invisible. Les anges, ils sont là, il y en a deux magnifiques. Hein. La synchronisation divine, ça se prépare pour que vos deux âmes qui se connaissent visiblement, se retrouvent sur Terre. Donc, il y a quelque chose qui se trame dans le monde invisible pour une nouvelle rencontre. Et ça peut être justement en novembre. Alors, on demande pour les Sagittaires amour en novembre. Sagittaires en amour pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires en novembre 2021? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Sagittaires en novembre pour l'amour. En novembre 2021 pour l'amour. Sagittaire en amour. Qu'est-ce qui se passe? Sagittaire en amour. Qu'est-ce qui se passe? En amour. Avec mon nouveau tarot. Allez, assez design, vous allez voir. Le pendu. Alors, le pendu, on nous dit quand il est en pour. C'est pas négatif. Le pendu, c'est que c'est pas encore maintenant. C'est bien pour ça qu'on a demande la vie aux autres et la rupture. Vous la voyez. Le pendu nous dit que vous avez besoin d'un certain temps pour vous remettre. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin d'être prêt. Donc, c'est vous qui activez cette énergie de pause. Parce que, par exemple, la rupture peut se faire maintenant en octobre. Vous avez besoin d'une bonne période du mois de novembre et reprendre... ou faire la rencontre fin novembre. Voyez? Dans le passé présent, on a effectivement, on nous dit que vous allez vous avez fini un cycle. Voilà, vous avez fini un cycle avec, je pense, une relation qui n'était pas bonne pour vous, avec des attitudes que vous avez décidé de changer. C'est ce que j'ai vu dans le tirage de novembre 2021, assez fort pour vous les Sagittaires, même très fort. Je l'ai fait avant-hier. Je vous conseille d'aller le voir. Où vous pouvez plus continuer comme vous l'avez continué, vous avez décidé ou l'univers vous a remis une expérience pour que vous changiez votre fusil d'épaule. Et là, en amour aussi, vous avez décidé de finir ce cycle. De toute façon, il devait se terminer, vous avez compris. Et on est dans une énergie de recommencement. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous repartez tête haute à zéro. Donc, vous prenez une période de pause, c'est recommandé, c'est toujours ce que je dis, ne passez pas d'une relation à une autre après une rupture, attendez, digérez, comprenez. Alors, ce qui domine, vous aurez le choix. Alors, soit vous aurez le choix parce que à l'embarras du choix, il y aura plusieurs personnes qui vous tourneront autour. Hein. Là, il y a des gens qui vous courtisent, là, vous êtes dans l'attraction. Vous aurez le choix entre plusieurs personnes, vous aurez le choix de vous mettre en couple ou non. Dans votre couple, bah, si vous êtes ensemble, de vous séparer aussi. Il y a une notion de choix, de rester avec. Mais moi, je sens ici plus pour les couples célibataires, pardon, qu'il y a eu une histoire de couple. Si vous restez en couple, il y a comme une espèce de pause. On recommence à zéro, on se donne une période de pause. On a des choix à faire. Je reste ou je pars, d'accord? Et puis la justice, un peu comme les amoureux, il y a vraiment une notion de choix. Je vais devoir trancher entre une personne ou une autre, de rester ou de partir. Je dois trouver un équilibre dans ma vie maintenant.
je choisis cette personne parce qu'elle est dans les valeurs que je veux et pas celle-ci. D'accord? C'est comme les amoureux. Pour le mois de novembre, vous allez prendre une direction vers les bonnes personnes, les bonnes valeurs qui concernent votre nouveau moi. Voilà. Donc, vous allez faire des choix peut-être différents du passé, nouveaux, différents du passé, mais qui sont vraiment en adéquation avec ce que vous voulez. Mais on voit qu'il y a quand même cette période d'attente, d'arrêt volontaire. Alors, que l'on dit l'oracle du Line of Love? On va demander pour les Sagittaires, mais je l'ai fait dernièrement, le Sagittaire, en novembre. Même avant-hier, je crois que je vous l'ai dit. Si vous désirez une guidance personnalisée sur votre situation sentimentale, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je réponds entre 2 et 3 jours. Merci. Sagittaire, en novembre 2021, qu'est-ce qu'il y a comme message pour les Sagittaires en amour? Là, en novembre 2021, novembre 2021. Alors, on voit la coupe. On fait la lumière. Ouais, alors, fais la lumière ici sur certaines choses du passé, des prises de conscience. Il y a quelque chose d'assez fort, hein, moi je vois dans ces deux cartes. Il y a comme un réveil, parce que je viens de faire le tirage, alors ça me rappelle ce que j'ai dit un petit peu. Il y a comme un réveil. Il y a deux fois la notion de lumière très forte. Soit vous avez un éveil, soit vous avez un coup de foudre qui sera très positif, c'est le soleil, hein. Un coup de foudre qui peut vous arriver, préparé par les anges. Ouais. Avec le soleil, quelque chose qui va pouvoir marcher après être resté dans une période quand même de renfermement sur vous-même. Même peut-être une longue période, hein, pour certains. Il y aura des coups de foudre où il y a quelque chose de très fort qui arrive sur vous, quelque chose d'inattendu qui arrive sur vous, qui vous apporte le soleil, qui vous apporte la lumière, la bonne rencontre. Ouh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Sagittaire. Alors. Ouais, oui, il y a de la nouveauté. Donc, l'ancien se termine. Hein, même si vous êtes en couple, moi, je pense que là, il y a des fins qui vont se faire. On est vraiment sur une énergie de renouveau. Je vous incite de regarder votre tirage de novembre, sinon vous n'allez rien comprendre. Vous êtes dans cette énergie. Vous avez travaillé sur vous. Je crois que vous étiez dans une espèce de déception parce que vous n'arriviez pas. Et on vous dit que vous allez arriver après une deuxième expérience, une deuxième chance qu'on vous donne. De changer. Vous avez le renouveau, donc nouvelle rencontre ce mois Sagittaire aussi. Hein? Après des perturbations, oui. Après des perturbations, et vous voudrez vous mettre en couple, vous voudrez vous unir grâce au travail que vous avez sur vous. Légèreté, peut-être on commence par les plumes d'ange, on commence par quelque chose de... On y va doucement. Hein. Parce que, voilà, on peut mettre les cartes comme ça. Il y a eu beaucoup de perturbations dans ma vie sentimentale, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Hein. Vous avez décidé de faire une prise de conscience de ce que vous vouliez ou plus. Et puis, vous allez faire une rencontre importante qui se prépare dans le mois. Je ne peux pas vous dire quand, mais il y a quelque chose qui se prépare hein, de très clair et de très bon qui pourrait mener vraiment vers une relation engageante, mariage, une relation où on veut se mettre en couple. On y va doucement, c'est très bien. Et puis, ça me fait un rappel aux anges, hein, ils sont là, vous voyez. Je prends 3 cartes de justement de cet oracle. On va voir ce qu'il va nous dire ici pour vous. Juste voir où on est. Donc, c'est pas des vidéos super longues. Après, vous restez jusqu'au bout parce que j'ai des conseils à vous donner. C'était les conseils des fées que j'ai pris pour ce tirage. Ouais, on va voir ce qu'elles vont nous dire. Alors, Sagittaire, Sagittaire en novembre. Donc quand même, moi je sens un moment d'arrêt, hein, d'accord? C'est pas tout de suite la rencontre début du mois. Merci de commenter. Sagittaire.
Novembre 2021, Sagittaire, novembre 2021. Alors, beaucoup m'ont dit qu'il y avait du bruit dans mon appartement. Je suis désolée, je suis au-dessus d'une route, je suis à côté d'un aéroport. Ici, il fait encore 28 degrés, donc même si j'ai fermé les fenêtres, je mets mon ventilateur, on entend quand même, par exemple, les motos qui pétaradent, on entend les scooters, on peut entendre bien sûr les voitures, on peut entendre les avions. Ça, je ne peux rien faire, donc soyez conciliants, s'il vous plaît. Désolée. Sagittaire, novembre 2021, Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe en amour, Sagittaire, novembre 2021, qu'est-ce qui va se passer en amour? Je vais le dire deux, trois fois parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'ils écoutent au casque, mais je ne peux pas déménager. Je peux rien faire, il faut être conciliant. Sagittaire, novembre... Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Joie, bonheur. Vous allez célébrer quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez faire sauter la bouteille de champagne. Alors, réponse, vous avez des cartes, mais très très bonnes pour l'amour. Il y a un mois, vous avez payé, on va dire. Regardez votre tirage de novembre. Si vous ne voulez pas m'écouter, ce n'est pas grave. Mais je vous incite à le voir. Parce qu'on explique le pourquoi vous en êtes arrivé à ça et à ce positif. Vous allez faire sauter le champagne. Hein. Il y a la joie, le bonheur, la fête, célébration. Parce que grâce à votre détermination, le combat, la force que vous avez eue de ne pas abandonner, donc, je ne sais pas si c'est votre couple auquel vous tenez ou le fait de changer des problèmes que vous aviez, de ne pas abandonner en route des difficultés, vous voyez, que vous avez pu avoir, d'avoir persévéré pour ce changement, on vous dit effectivement, on vous donne le feu vert, réponse positive à votre question, un grand oui à vos interrogations. Vous n'avez pas la carte non, vous avez la carte oui. Donc on vous dit effectivement qu'il y a, grâce à votre travail, une récompense préparée par l'univers même, qui sera une rencontre qui mènera probablement pour beaucoup vers l'union. Conseil des anges pour les Sagittaires en amour, novembre 2021. Quel conseil pour les Sagittaires en amour, novembre 2021? Saute, Komara. Hop. Sagittaires en amour, novembre 2021. Conseil pour les Sagittaires. Voilà, vous avez des très, 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 très belles cartes. Un conseil. Les enfants, vous retrouvez peut-être une espèce de jeunesse d'enfant, moins perturbée par la vie d'adulte, conditionnée par nos expériences négatives. On dit qu'il y a une connexion très forte avec les enfants. Peut-être que l'union mènera à un enfant. Moi, je pense à retrouver votre enfant intérieur qui a guéri. Vous serez plus avec des conditions, des conditionnements du passé. Vous verrez les choses sous un autre œil, un autre regard. Votre vie sentimentale est très positive en novembre. Voilà, mes chers amis. Très joli tirage. Merci pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.